Et ça, c'est quelque chose de merveilleux, parce que l'énergie, vous l'avez tous vue. Et pour lui, pour ABGO, pour le village, aujourd'hui, c'est un jour merveilleux. Mais Daniel, il n'y a finalement pas de surprise, parce que c'était marqué dans le journal, aujourd'hui. Je vais vous expliquer. Daniel est Sagittaire, il faut le savoir tout de même. Et aujourd'hui, si on lit l'horoscope de Daniel, il y a marqué « Détermination et courage sont vos mots d'ordre, et la récompense de votre dévouement ne va pas tarder à venir. » Vous vous sentez capable de grandes choses, et vous êtes tout proche de l'exploit. Votre dynamisme vous tire bien en avant. Vous connaîtrez la tendance de la tâche accomplie. Voilà, je vous le disais, c'était dans le journal. C'était écrit, ça devait se faire. Mais il y a forcément toujours des problèmes, quelques problèmes qui peuvent être résolus facilement et d'autres moins facilement. Pour ABGO, un problème qui est de taille, qui est effectivement le problème du terrain et de la propriété du terrain. Nous espérons que ce soit résolu parce que sinon, ça risque d'être un petit peu critique. Deuxièmement, il est important, et l'on constate aujourd'hui par l'organisation de cette fête merveilleuse que vous nous faites, que les villageois peuvent s'investir parce qu'ils savent l'importance de l'école. Nous l'avons vu avec l'autre école que nous sommes en train de construire plus au nord, du côté de Lompoul-Sali. L'implication des villageois est absolument indispensable, nécessaire. Et je compte sur vous pour continuer à entretenir, à faire en sorte que cette école soit pérenne dans la vie, pour la vie de vos enfants, pour la vie des enseignants. Parce que nous, à BGO, nous allons partir petit à petit. Nous sommes en train de signer une convention avec l'IDEN pour déterminer notre participation dans l'école qui va bien entendu petit à petit s'amenuiser. C'est à vous de prendre le relais, tous, pour vos enfants, pour les enfants, pour l'éducation. À nos yeux, l'école, c'est aussi important que pour les catholiques, une église ou une cathédrale, pour les musulmans, une mosquée. Et donc, l'école doit se respecter autant qu'une mosquée. Elle doit se respecter autant qu'une église, parce que c'est que vos enfants, tous ici, et Dieu sait qu'ils sont tous plus beaux les uns que les autres et dynamiques, c'est grâce à cette école, grâce à l'éducation, que vos enfants un jour pourront peut-être devenir ce qu'ils ont envie de devenir. Et qui sait, peut-être, un jour, pour le Sénégal, un enfant qui aura été à l'école de Sindou Keïta sera un préfet, un membre de l'IDEN, un ministre de l'Éducation nationale, un inspecteur de l'Académie. On ne peut pas savoir. Et pourquoi pas un président de la République. Donc tous les espoirs sont permis, mais tous ces espoirs passent par l'éducation. Prenez soin de cette école, c'est notre message. Nous reviendrons régulièrement voir le village, rencontrer des gens encore aussi formidables que ceux qu'on a pu rencontrer, comme tous ici réunis, comme Aïda, avec qui nous avons une relation toute particulière, avec M. Fall et avec tous ceux qui nous entourent aujourd'hui. Merci à tous.